Bonjour. Vous venez d'entendre un extrait de Jeux interdits, composé pour guitare classique. La guitare fait partie de la famille des instruments à cordes pincées. Elle est constituée de 6 cordes. Les matériaux utilisés pour sa construction sont le palissandre pour la caisse de résonance, le cèdre pour le manche, le palissandre pour le chevalet, l'épicéa ou le cèdre pour la table d'harmonie. L'origine des instruments à cordes pincées est assez lointaine. Au Moyen Âge, on jouait de la guiterne ou de la vihuela. Au XVe siècle, la guitare était constituée de 3 ou 4 cordes. Ces cordes étaient doublées. Son gabarit était plus petit que celui que nous avons aujourd'hui. Au XVIIe siècle, on rajouta une 5e corde. C'est alors la guitare baroque. Au XVIIIe siècle, on rajouta la 6e corde et on abandonna les cordes doubles. C'est alors la guitare romantique. Au XIXe siècle, Antonio Torres mit au point la guitare moderne, celle que nous avons aujourd'hui. Le répertoire de la guitare classique est assez vaste. On peut aussi bien jouer des œuvres en solo, comme je l'ai fait au début de cette vidéo, ou comme vont le faire maintenant Soren et Oscar. Peut être aussi utilisé en musique de chambre, comme je le fais par exemple avec Lilia. So sich der Mond nicht will scheinen, so sich die Sonne.